Eh bien, salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur WWE 2K17. Une nouvelle vidéo sur 2K17. Encore une fois, en plus, j'ai envie de te dire, de tout ce que j'ai fait. Hein. Et aujourd'hui, on n'est pas encore sur le My Career, on n'est pas sur le mode univers, vous inquiétez pas. Le mode univers, j'attends un petit peu qu'il y ait un patch qui soit sorti pour le continuer. Mais ma carrière, je vais en faire en mode, comment dire, voilà, pas tout le temps, voilà, c'est ce que je veux dire. Par contre, je vais faire des matchs. Après, vous inquiétez pas, hein, je ferai les demandes de vos matchs, mais pas tout de suite. Pour le moment, je vais faire mes propres matchs et essayer à peu près toutes les superstars que je n'ai pas essayé. Donc c'est parti, un contre un. Alors attendez, qu'est-ce que je vais faire? Parce que Elinocel, Noel Bowett, ça a l'air d'être pas mal. Ou alors Falcon Tenimer, comme ça on pourra aller partout. Alors c'est parti, donc je contrôle Brock Lesnar parce que je l'aime bien et j'ai envie de le contrôler. Et je l'ai pas contrôlé jusqu'à maintenant. Et on va le mettre contre. Alors attendez, on va mettre Brock Lesnar, je voulais le faire contre. Alors on va le faire contre AJ Styles. Ouais, franchement, AJ Styles, je l'aime bien. On va lui mettre la petite tenue de nos merci. Et l'arène, attention, nouveau truc, c'est la nouvelle arène de 2K17. WrestleMania 31, le jour, attention, ça va être le feu. Alors, est-ce que Jessa, ouais, Jessa est champion, c'est parti. Ah, le match, ça va devenir un match de taré. Allez, c'est parti, petite éclipse, on se retrouve juste après. Allez, on est de retour, regardez cette arène magnifique. Elle est magnifique, le jour en plus. L'arène 31, la WrestleMania 31 est magnifique. Oh, level 8 champion. C'est parti, on accueille The Beast. Il va affronter Goldberg. Normalement, au Survivor Series. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Moi, ce qu'il devrait faire, c'est que il fasse ça en deux matchs. Donc, Goldberg versus Brock Lesnar à Survivor Series. Le gagnant, c'est Brock Lesnar. Il remet ça à WrestleMania. Pour, parce que vu qu'il y a eu un match à l'époque il y a 12 ans et que c'est Goldberg qui a gagné, ça fait un partout en fait. Et du coup, il devrait remettre ça à WrestleMania pour en fait terminer cette rivalité et enfin décider qui sera le meilleur de les deux. Allez, tellement il y a le jour, on voit tellement pas. Enfin, c'est tellement magnifique quoi. Vous allez voir quand on va catcher dans le ring, c'est énorme, c'est magnifique. C'est très beau, on peut le dire. Allez, on peut passer. En plus, il y a le nouveau effet. Je vais m'amuser, moi. Attention, AJ Styles. Il a battu John Cena au Survivor Series. Au SummerSlam, pardon. Ouais, je m'emporte un peu. Il est devenu WWE World Heavyweight Champion en battant Dean Ambrose. Il est là. En tenue de No Mercy. Ah, il est magnifique, AJ Styles. Franchement, je kiffe. Je kiffe jouer avec lui. L'année dernière, celui que je kiffais jouer, c'était Kevin Owens. Bah, cette année, c'est AJ Styles. Ah, il est magnifique. Allez, c'est parti, parce que sinon, on va se prendre des petits droits d'auteur dans la gueule. Brock Lesnar, AJ Styles. Pour le titre de la WWE. On va faire une petite présentation. C'est un taré, il va tout défoncer. Suplex City, bitch. La ceinture est moche d'ici. Hey, AJ Styles, j'adore sa présentation. Le petit AJ Styles, j'aime bien comment ils le disent. Allez, c'est parti, Brock Lesnar, AJ Styles, comme elle dit. Oh mon dieu, c'est un match d'enfer. Ah bah ça commence, voilà. Et une première souplesse, allez hop. Ah non, mais je crois que là, AJ Styles est dans la merde. En fait, tout le long du match. Je sais pas si un jour ce match existerait, mais putain, il va prendre cher AJ Styles. Hein. Tiens, petit connard. Tiens, un coup dans le bras. C'est ce que j'ai remarqué. Attention, qu'est-ce que tu as fait hein. Ah oui. Vous avez vu, la reine est vraiment bien. Elle est vraiment grande. C'est vraiment stylé. Attention, on le projecte.
dans le petit coin. Attention, qu'est-ce qui va se passer? Oula. Ah oui, je vais lui mettre la tête contre le petit coin là. Heureusement qu'il y a la protection parce que sinon... Allez, ça dégage par dessus la troisième corde. Vas-y, j'enlève les petites protections. Petite protection de points là. On va s'amuser avec ça. Souple accéléré. Ah merde. Attends. J'ai bientôt fini. Ah putain, le bâtard. Allez, attention, projection dans les corps. C'est bon, j'ai réussi à contrer. Une droite. Ah merde, il m'a contré. Pas grave, on va revenir. Regarde, tu vois. C'est facile en fait, les contres. Hein. Enfin, quand tu es habitué, j'ai envie de te dire. Allez, qu'est-ce que tu vas faire? Attention, on le lance. Dans le coin. Oh, regarde, ça doit faire mal ça en vrai. Se prendre ça dans le torse. Alors, malheureusement, on peut pas aller dans le public. Dans cette arène. Donc, dites ça à Touquet, hein, ça c'est pas de ma faute. Là, on peut pas y aller parce que c'est l'arène à la semaine 31. En fait, on peut y aller que quand les arènes sont normales, quoi. Quand c'est pas des gros shows, tu vois. On va dire ça. Oh le bâtard. Ah, il y a eu un double contre, j'ai l'impression. En fait, j'ai contré sa prise. Oh putain. Et pourquoi je peux plus contrer là? Alors que j'ai une barre encore. Regardez, je peux plus contrer. What the fuck, ça me dit même plus le signe de R2. Enfin, je me trompe entre PlayStation et Xbox, non? Voilà, là c'est bon. En fait, ils attendaient que lui il a un compte, quoi. Bande de bâtards. Vas-y, on va les couilles, on va aller dans les. Enfin, j'espère qu'on peut aller dans les coulisses. Normalement, on peut. Allez, même la rampe est magnifique. Oh le bâtard. Vite. Putain. Je vais l'enlever, je vous assure. À chaque fois j'en parle, mais au bout d'un moment, je vais l'enlever cette limite de compte. Et de ce côté, on peut pas non plus. Ah si, on peut. Eh, ça m'a fait peur. J'ai cru que les mecs, ils avaient oublié de mettre les backstage sur WrestleMania 31. Il ne manquerait plus que ça. En fait, il fallait aller juste de l'autre côté. Sauf que, à WrestleMania 31, on venait... toutes les superstars venaient de l'autre côté, en fait. C'est pour ça que j'y suis allé directement. Oh le bâtard. Tu vois la table, AJ Styles, là? Eh ben, je vais t'y faire passer. Tu vas dégueuler, mon gars. Oh putain. Il y a la télé, je vais dégommer avec la télé. Tiens, je te compte, connard. Attends, je prends la télé. Ça en va les couilles, il y a défonce. Voilà, là, je l'ai mis, ça dégage. Allez, viens, connard. Allez, viens. Allez, un peu plus d'effort. Oh le bâtard, je vais le défoncer. Tiens, connard, attention. Et le power. Bon, ah, le triple power. Bon, d'accord. C'était dans son ancien coup spécial dans les anciens jeux. Et encore. Oh, bon. Et ouais, mon gars. Il rigole pas, moi, avec les snares, mon gars. Tiens, un coup de télé dans ta gueule. Coup de télé encore une fois. Et une nouvelle fois. Ça dégage. Maintenant, je vais te lever. Tranquillement. Sans précipitation, pardon. On va faire ça. Attention. Et le souplex. Il est sur la table, mon gars. Oh, laisse tomber. Ça doit faire mal. Et ouais, Brock Lesnar. C'est le meilleur, mon gars. Il détruit tout le monde. Alors, merde, non. Voilà, c'est bon. On le ramène, on va directement dans les coulisses. On bat les couilles. Attention, ah, ça fait mal, hein. Tiens, un coup dans ta gueule. Alors, attendez, je vais le lever. Ah ouais, j'aime bien son petit provoque là pour faire lever les gens. Pas mal. Hop. Attention, oh le bâtard. Et tu sais que je vais te dégommer. Est-ce que tu le sais, ça? Regarde. Souplex City, encore une fois. Mec, tu peux pas m'échapper. Alors, on reprend la poubelle. Hop. Tiens. Allez, ça dégage. Et maintenant. Ah, il y a que ça? D'accord. Dommage. Non, dommage qu'il n'y avait pas, je sais pas, une prise avec la poubelle, tu vois. Alors maintenant, on va te faire dégager dans le bureau des vestiaires. Tiens, dégage. Dans le bureau des vestiaires, ça existe, hein? Non, je pense pas que ça existe. Alors, on a pas mal de choses. Putain, mais bouge.
On a une manette, on a une table encore une fois. Attention. Allez, viens. Hop, ça dégage, qu'est-ce que tu as faire? Moi je m'appelle Brock Lesnar, on va laisser tomber hein, l'écran. Ça veut pas marcher, ça ne veut pas marcher, c'est pas grave. À moins que. Bon, attendez, je vais faire ce putain de plus spécial parce qu'il est en train de me saouler. Attention, sur l'épaule, powerbomb sur AJ Styles. Ça, ça doit faire mal ça. Hop, ça dégage. Je reprends un petit peu d'endurance, tranquille. Toi-même, tu sais pas. Hop, ça. Non, c'est pas là que je voulais faire, c'est pas grave. Là. Voilà. Ah bah non, c'est un F5 qui fait. Oh putain, on est perdu sur le jeu. F5! Ah mais tu crois qu'on en a terminé là, AJ Styles? Mais t'es taré mon gars. Tu vas voir. Attention, finisher sur la table. Et prends AJ Styles, attention. Le F5 sur la table. Putain, ça doit faire mal. Ça doit vachement faire mal ça. Vas-y, attends, on le lève. On va l'amener chez l'autorité là-bas. Non, pas là. Là. Putain, par contre, sa tête, elle est en rouge, mais. Énorme. Ah merde. Putain, il s'est même pas sortir d'une pièce. Quoi. Attention, allez, on l'amène. Non! Putain, mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Vas-y, viens, sois pas con, tu le fuis. Tu sais ce qu'il faut faire. Allez, viens. Viens, attention. Ah oui, là. Oh le bâtard! Oh le bâtard! C'est bon, c'est bon. Eh non, mais je suis en train de le contrer tout le temps, mec. Et qu'il sait pas à qui il s'adresse, tu sais. Il y a Kevin Owens là-bas. Tiens, dans le bureau d'autorité, mon gars. C'est qui là cette fois-ci? Oh, c'est Vince McMahon! Allez, Vince! Attendez, on va le mettre là-bas. Hop! Tiens, ça dégage mon gars. Oh my fucking god, moment, regardez. Il le prend. Attention. Powerbomb sur AJ Styles. On peut pas prendre la télé là. Ah dommage. Allez hop, arène, on se tire. On va finir ce match en exploit. On va enfin gagner les WWE Championship Champion avec Brock Lesnar. Ça faisait un an qu'il n'était pas champion, Brock Lesnar. Après qu'il a perdu à WrestleMania 31 sa ceinture, il l'a pas été en fait, hein, champion. Hop. Je retourne sur le ring. Oh putain, non, pas ça. Là. Et non. Putain, mais. D'accord. Bon, c'est pas grave. Mais quand même, va sur le ring, c'est mieux. Tiens, connard, tiens, ça prend un. Hop. Mais non. Et pourquoi il a le corps en gris, AJ Styles? Non mais tu crois que tu vas me faire taire comme ça toi? Mais t'es taré. Normalement j'aurais dû te le faire en coulisses, tu vas voir. T'aurais pas dû faire ça, Johnny. Bon, ça va les conneries? Non mais il veut pas contrer ce bâtard de Brock Lesnar. Et ben voilà, qu'est-ce que je vous ai dit? Ah, faut toujours que je compte trop tôt. Tiens, droite dans ta gueule, déjà, d'un, ça prendra. Maintenant, on te lève tranquillement. Et maintenant, on te jette. Voilà, tu dégages. Alors. Attends, putain, t'as pas compris. Allez, lève ton cul. Et va là-bas. Petit pédé, là. C'est parti, c'est fini. Là, on en a terminé, là. Là, c'est sûr. Là, on a terminé pour AJ Styles. AJ Styles, pardon. Attention, Brock Lesnar et le F5 sur AJ Styles. 1, 2 et 3. Victoire de Brock Lesnar. Oh putain, ça a été rapide à la fin. Excellent match de Brock Lesnar contre AJ Styles. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a quelque chose à changer
dans mes vidéos, ça serait vraiment sympa. N'oubliez pas de liker cette vidéo, ça montrera que cette vidéo a été bien faite et ça m'encouragera pardon à continuer les vidéos sur 2K17. Et attendez, non, c'est pas terminé, non, non, ce n'est pas terminé. Brock Lesnar, il en a un peu ras le cul de AJ Styles, là, il fait trop son malin. Voilà, je prends mon nouveau titre, attention, mon nouveau titre, et tiens, dans ta gueule, AJ Styles. Le mec, il a cru quoi, ça? Oh, attendez, c'est quoi ces effets spéciaux, déjà? Multiple, ah ouais, laisse tomber. On va l'avoir pour 3 ans. Attention, Suplex City, 1, 2, et attention, 3, et Suplex City, et maintenant, c'est fini, le F5 porté par Brock Lesnar. Tiens, qu'est-ce que tu as fait? En tout cas, voilà, et bah oui, le petit breakout à la fin, ça fait vraiment bien plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Et moi, je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao!